Bonjour à tous, mes chers petits farfadets nationaux. Comme vous avez vu, j'ai failli passer l'arme à gauche. Il y a un comble. Mais je n'allais tout de même pas décéder avant de voir ce que donne Dead Island 2, dont j'ai reçu un code parce que je suis un influenceur, n'est-ce pas? Vous vous rendez compte, à l'époque où ce trailer était sorti, eh ben, je m'étais pas encore lancé dans le gaming. En plus, vous avez vu, ils étaient précurseurs, ils ont mis Macron dans ce trailer. Ah, mais qui sait qu'elle a encore joué avec mes affaires, merde! J'ai à peine le temps de rentrer à l'hosto, t'as déjà des gauchos qui font du pogo sur mon tombeau. Alors j'aurais pu recevoir les derniers sacrements, mais en tant qu'influenceur, j'ai préféré recevoir un kit de Saga of Sins, un kit que j'emporterai avec moi dans la tombe. Ah super, un CD. Y a plein de gens qui aimeraient que j'aie des CD. Ah très bien, une plume en verre, comme mon œil. Mais ça sert à quoi? C'est pour écrire mon testament, c'est ça? Alors ça, c'est un cadeau pour le moins original, n'est-ce pas? J'ai enfilé des perles, exactement comme Emmanuel Macron. Ah oui, puis il y a un jeu. Alors, ça donne quoi, Saga of Sins? Ah, des Allemands, je kiffe déjà, mais ça change déjà. Ah, c'est sympa, ce gameplay. C'est méga moine. On améliore son personnage, c'est méga moine. On change de transformation, on a des pouvoirs différents, mais c'est méga moine. Ah, n'empêche, c'est très très dur. C'est méga moine, bordel. C'est quoi cette notification Steam à chaque fois que je fais un truc? Mais c'est nouveau ça! Donne-moi le succès une fois que je l'ai gagné! Alors, Saga of Sins, donc c'est un jeu sur les péchés capitaux, n'est-ce pas? Il y a tout de même pas mal de choses à faire dans ce jeu. En plus, les graphismes sont de toute beauté, ça me rappelle l'époque de Jeanne d'Arc. Allez, excusez-moi pour cette parenthèse pas très catholique, enfin si, pour le coup, on retourne à Dead Island. Alors, on peut choisir son protagoniste. Alors, on a qui? On a Kill Bill, Lenny Kravitz, Mr. V, hashtag Darmanin d'émission, et le mâle 6 hétéro blanc, une belle brochette de connard. Allez, dans ma prochaine vie, je serai noir. Puisque c'est eux qui ont inventé l'électricité, je dois bien reconnaître leur supériorité. Alors on commence dans un crash d'avion, je leur ai dit, prendre le train. À quoi ça sert d'émettre autant de carbone, si c'est pour même pas arriver à destination? Ah, je vois un survivant au loin. Attendez, monsieur ou madame, je viens vous sauver. Ah, un jumpscare, mais j'ai des problèmes de cœur. Allez, goûte ça, saloperie. Allez, niveau 2. Quoi, mon arme est déjà pétée? Et on est dans Breath of the Wild ou quoi? Blague à part, j'espère que je serai encore vivant pour pouvoir jouer à ce jeu. Sinon, vous imaginez, Ganesh être obligé de faire un Mélenchon Gaming. Burk. Ah, bah très bien, je peux en récupérer une à la volée. Ah, mais vous avez pas honte de me faire peur comme ça? Qu'est-ce qu'il veut tout pas? Qu'il veut un fit? Eh gros, ça y est, encore une arme pétée, mais c'est pas grave, j'ai encore mes points. Madame, il faut se réveiller. C'est pas le SAMU, c'est Jean-Marie Le Pen. Ah, mais c'est qu'elle m'a mordu la garce. Qu'est-ce qui va m'arriver encore? Je vais devenir un islamo-gauchiste? Ouais, c'est comme ça que ça se transmet, je crois. Ah, c'est donc ça qui m'attend? Ah ben ma foi, ça c'est plutôt magnifique. C'est temps de chargement ralenti avec une légère rotation. Attendez, on va y rajouter un peu de musique classique. Vous voyez, ça c'est tout de même un bon moyen de faire oublier que les temps de chargement durent 5 ans. Ah merde, c'est encore Macron le président. Ah, Bel Air, ça commence bien. Il est où Will Smith et l'oncle Phil et Carlton? Ils sont où, bordel? Jeffrey, remets-nous des glaçons. Mais moi, je voulais me battre contre des zombies, pas devenir un technicien EDF. Mais elle est nulle à chier, cette réincarnation. Voilà, il est là. Voilà, maintenant faut se retaper tout le chemin. Vraiment, on a vraiment attendu 9 ans pour retaper des compteurs Linky? Ils sont où les zombies? Ah voilà, c'est bon, le portail est ouvert, je les vois. Mais les combats sont mous. J'ai eu plus de palpitations en regardant les photos de Marlène Schiappa dans Playboy. D'ailleurs, à cause de ça que je suis parti à l'hosto. C'est bon, je vais pouvoir rentrer. Quoi? Comment ça? Les portes sont verrouillées? Il y a eu une apocalypse zombie et vous nous faites vivre le quotidien d'un livreur Deliveroo! Encore une porte fermée? Mince alors, mais comment je vais faire? Ah ben voilà! La force brute l'emporte! Vous savez quoi? Vous me courez sur le haricot avec votre système de batterie électrique? Allez, prends-toi ça dans ta face! Mais je me pose une question, les zombies c'est des trucs qui sont censés être morts, mais si on leur fout de l'électricité, ça fait rebattre le cœur, donc... Enfin je veux dire, on n'est pas dans Pokémon!
Oh, je cherche un objet, je le trouve pas. Alors, c'est vrai que les endroits sont jolis, mais on est dans Dead Island ou dans Recherche Appartement ou Maison ou je sais pas quoi. Bon, voilà, niveau 3, on gagne de l'expérience en avançant dans le scénario. Et le système de compétences dans le jeu, ça ressemble à des cartes de tarot. Il fallait me le dire que mon Dead Island, c'était devenu Yu-Gi-Oh! Allez, prenez ça, les zombies! Allez, faut que je ferme le portail. Ah, oh, mais c'est pas possible! Ça fait que 20 minutes que je joue et j'ai déjà réparé tout le réseau électrique! Ah tiens, Damso, qu'est-ce que tu fous là, frérot? Vous avez vu, je suis pas raciste, hein, je fais la différence entre les noirs. Oh, on peut crafter des choses, comme c'est original. Il y a l'année 2015 qui vient d'appeler, elle te passe le salam. Enfin bon, je critique, c'est quand même sympa. Ça nous aurait bien servi en Algérie, des couteaux comme ça. Allez, venez voir papy Jean-Marie. Ah, j'ai débloqué un défi. Ah, tout de même, il y en a quand même plein des choses inintéressantes à faire. Ah tiens, toucher 100 fois les zombies avec des attaques puissantes. Ça me fait penser, les CRS qui vous pètent la gueule en manif, ils ont peut-être des défis à relever entre eux. N'empêche, vous avez vu, ces saloperies de zombies, en pleine rupture du jeûne du ramadan, pas très halal tout ça. Alors le jeu n'est pas en monde ouvert et on peut considérer ça comme une régression, mais au contraire, depuis le temps que je le dis, qu'il faut fermer les frontières. Quoi, qu'est-ce qu'il veut DJ Snake avec son pyjama là, il veut me mordre. Alors je suis dans un hôtel maintenant, et... Ah! Encore un jumpscare, mais c'est pas possible, hein. Bon, allez, je stoppe là la vidéo. Les infirmières martiniquaises qui s'occupent de moi m'ont dit que c'était pas bon pour le cœur. Quoi qu'il en soit, mes chers petits farfadets nationaux, je ne sais pas si je peux vous conseiller ce Dead Island 2, sorti bien trop tard pour être apprécié à sa juste valeur. En fait, ce jeu, c'est exactement comme la réforme des retraites. 2 ans de plus, juste pour ça. Merde, ça y est, ils m'ont eu. Je suis devenu gauchiste.